Salut tout le monde, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial sur Black and White 2. On est là pour 30 minutes de déconnade, ça va complètement être du what the fuck, n'importe comment là, hein. Je sais même pas quel mot utiliser pour dire le bordel que ça va être, hein, parce que aujourd'hui, devinez, aujourd'hui, oui, on fait quelque chose de spécial, hein. Ça va être tout simplement, bon, ça va être un petit peu horrible, hein, bien sûr, mais voyez, je me suis placé ici, hein, je me suis placé derrière les montagnes pour vous cacher quelque chose, pour vous réserver une petite surprise, hein, vous demandez mais qu'est-ce que c'est? Et là, je me mets dessus la montagne, hop, comme ça, voilà, parfait. Et là, on voit rien. Ouais. Eh bien, regardez, vous allez voir, vous allez halluciner, c'est tout simplement magique. Tadam. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, regardez. Regardez la beauté de cette ville. Regardez cette voilà, j'arrive même plus à parler. C'est mégalopole en pleine croissance de plus de. Attendez, on va voir. De plus de 3700 habitants. On peut voir la population à droite. Juste en dessous de l'alignement, qui est de moins 935. Je suis méchant. Alors, je voulais élargir un peu la ville. De ce côté là, bon, j'ai pas eu le temps puisque il y avait trop de relief. Enfin, regardez le truc là, c'est c'est un peu zarbe, hein. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais enfin voilà, on se retrouve avec une ville de 3700 habitants. Et comme ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, on avait fini le royaume, hein, dans l'épisode d'avant, on avait accompli tous les objectifs, récolté pas mal de points d'offrande, et on peut passer à l'étape suivante. Sauf que avant ça, on va se marrer un petit peu. Bah oui, sinon ça serait pas drôle, voyons. Attendez, oh, vous m'avez vu ou quoi là? Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement faire du massacre de ville grecque. Ouais, ça va être drôle. Là, on a de quoi faire, on a du peuple. On a du peuple pour jouer, hein, si j'ose dire. C'est complètement horrible et complètement psychopathe, hein, mais bon. Vous allez voir, ça va être plutôt drôle. Dans Black and White, on peut faire des trucs assez subtils, si j'ose dire, avec les villageois. Et pour ce faire, on va tout de suite aller dans le menu offrande, puisqu'on a 300 000 points d'offrande à dépenser. Et on va s'acheter des pouvoirs sadiques. Et déjà, j'en vois un direct, même deux. Miracle du feu. On va voir, vous allez voir, ça va être très très drôle. La foudre, pareil. Par contre, ça vaut cher. Est-ce que les météorites, c'est un petit peu élevé. Oui, t'as besoin de nourriture. T'inquiète pas, t'en auras plus besoin dans pas très longtemps. Je te rassure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'utile, on va dire, pour faire notre petite entreprise machiavélique, macabre. Non, je pense que c'est bon. Allez, c'est parti, on ouvre les festivités. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire déjà? Mais que voit-on ici? Regardez, un petit vieux qui avance à 2 à l'heure et qui gêne tout le monde. Non, c'est pas... Oula, petit bug, désolé. Mais il est où le petit vieux là? Voilà. 3G pour être un disciple. Vous savez ce que j'en fais moi de cela? Hein? Tiens, voilà, ça t'apprendra à être vieux, tiens. Non, je déconne, c'est complètement horrible. Ici, non mais vous faites la fête. Vous êtes pas sérieux, ils font la fête. Non mais ils font la fête. Je crois que vous, on s'est mal compris là. Ici, on travaille. On n'est pas là pour s'amuser. Non mais... non, toi je te veux pas, non. Mais non! Ah là là, décidément. Et les enfants, vous avez pas honte de regarder? Ouais! Ça crie partout, j'adore. Ah, j'arrive pas à saisir le bloc de minerai. Ah! Ça veut pas s'enlever. Ah voilà, c'est bon. Nous sommes débarrassés de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Regarde, l'herbe ne pousse même plus quand tu marches dessus.
Salut! T'es pas mort. T'es pas mort, tu te relèves? Non mais t'as pas honte? Ok, alors d'accord. On s'est mal compris, mon ami. Où es-tu? Ah, voilà ma petite créature qui s'appelle Meu, hein. Non mais t'as... Non, 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 mais... Ké-ké-ké-ké-ké-ké. Ah, d'accord! Ok, bah attends, hop, désolé. On va faire des trucs plutôt marrants. Oui, toi, oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah, merde. Ah, mais elle a rétréci, sa merde. Non! C'était complètement magique. J'ai assommé. Non, j'ai même carrément tué un mec avec une crotte. C'est quand même plutôt bizarre. Alors, mais ouais, allez. Vous avez voté, hein. Enfin, vous avez voté. Il y a un abonné qui m'a dit que la vache pourrait s'appeler Meu. Alors, moi, j'aime bien ce nom, Meu. Ça me plaît beaucoup, Meu. Voilà, et on voit qu'elle a pris, un tout petit peu de, enfin, elle a moins de bites comparé au tout début, mais elle a pris du muscle et du poil. Et elle a des cornes aussi, vous voyez, c'est magnifique, hein. Elle est bien en chair, notre créature, elle se porte très bien, hein. Ici, j'ai un petit peu amélioré le village, comme vous pouvez le constater. On a un peu de populace, hein, si j'ose dire. Ouais, ça se porte plutôt pas mal. Regarde, on a même des cochons. Allez, bim, le cochon. Oh! Oh, le... Oh, j'ai failli faire un strike. Est-ce qu'il... Pourquoi il bouge plus, le cochon? Pourquoi tu bouges plus? Le cochon veut plus bouger. C'est bizarre, je ne comprends pas du tout pourquoi, hein. Il se portait bien il y a 2 secondes. Toi, pourquoi t'as osé... T'as osé passer à côté de la créature? Non. Vas-y, prends-le. Oui, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Wow, reviens ici. Qu'est-ce que tu fais là? Wow. Oh, il est pas drôle. Oh là là. Bon, on reviendra te voir. Oula. Oula, méga lag. Ouh là là, désolé, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un énorme lag. Bon, enfin bref, on n'a rien vu. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Oh, une superbe grosse... Oh oui. Si vous pensez à ce que je pense, c'est du terrorisme là. Oups. Ok, le rocher traverse le moulin. C'est... Ah, va-t'en! Voilà. Attendez, j'ai pas fini. Ah, voilà! Et qu'est-ce que vous regardez? Vous avez rien de mieux à faire là? Hein? À cette heure de la journée, vous devez bosser, je rappelle, hein. Voilà. J'aplatis un peu la surface de la ville, hein, comme qui dirait. Voilà, je fais mes travaux là. Voyez, les champs sont jonchés de cadavres en tout genre. C'est assez morbide, hein. Ouais, c'est plutôt dégueulasse. Ah, c'est complètement horrible. Regardez, attendez. Ouh, ta-da-da-da-da. Plouf. Plouf, 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 plouf. Méga strike. Est-ce qu'il remonte à la surface? Normalement, je crois que... Ah ouais, ben oula. Il est en lévitation à la surface. Oula, attendez. Oula, j'essaye de bien me mettre. Le type est en lévitation à la surface de l'eau. C'est épique. C'est magique. Oh, c'est triste. C'est... C'est... Oh, c'est... Je suis complètement... Par cet événement, vous comprenez. Attendez, je termine, hein, tant qu'on y est. Aujourd'hui, hein, ça va être un jour spécial pour vous, mes amis. Oui, parce que vous allez pouvoir en direct live apercevoir une pluie de cadavres. Wouh! Ça crie de partout, hein, ça crie de partout. Bon, maintenant on va se marrer un peu avec les pouvoirs qu'on a expressément achetés juste avant. Et donc pour le feu, ce qui est marrant, c'est que c'est comme le miracle de l'eau, vous avez 2 choix pour le lancer. Donc pour ceux qui se rappellent, soit vous faites hop, wow, tireur d'élite à la boule de feu, voilà comme ça. Voilà, regardez, ça a bien pété là, ils ont pris méga cher. Non, même pas, ils continuent à danser. Et vous avez, non, c'est pas ça que je voulais.
Moi, ce que je voulais, c'est ça, voilà. Ah d'accord, arroser la forêt. c'était même pas fait exprès. Non, non, regardez, nous, ce qu'on va faire, c'est ça. Barbecue. Non, je déconne, c'est juste horrible. Non, c'est carrément horrible ce que je viens de faire, hein, à ne pas reproduire, hein, c'est... complètement horrible. Attendez. Je crois qu'on s'est mal compris, là. Explosion nucléaire. Mais attendez. Non, 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 alors là, c'est pas normal, là. Alors, les mecs sont dans le feu, la maison brûle, mais pas eux. Explique-moi l'erreur. On va tester avec la foudre, l'électrocution instantanée, peut-être. Ah, ça marche mieux, là. Regardez, c'est drôle. Ouais! Ouais! On rajoute un peu de feu. On va cramer un peu tout là. Voilà, là c'est bien. Bah, voilà, ça prend bien feu. Hein. C'est très enflammable ces maisons. C'est... j'aime bien. Voilà. Là c'est parfait. On va répandre un peu les incendies partout. Voilà. Voilà. Attendez. Bah parce que je suis en train de perdre du mana, alors faut rentabiliser quand même, il y a un moment. Combien j'ai de mana? Bon, je pense que ça devrait suffire. Salut! Les enfants. Oh! Plouf. Voilà. Et ma femme a. Ma femme. Non, ce n'était pas ma femme, non. Ma flamme, plutôt, 42 maléfique. Oh là là, c'est grave quand même, hein, c'est... Ouais. C'est drôle. Moi, j'aime bien jouer avec l'électricité. Et le feu aussi. Mais attention à pas se brûler, hein. Ah là là. Il y a des arcs électriques dignes des seigneurs Sith dans Star Wars et les types y résistent. Hein. C'est tout à leur honneur. Hein. Vous voyez ici, on commence à avoir des flammes sur les bâtiments. Ça commence à devenir sérieusement sévère. Attendez, là j'ai un petit... excusez-moi. Hein. Vidéo, j'ai un petit doute là sur le... Non, c'est bon. Non, parce que j'ai l'impression que... Non, c'est moi, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait des problèmes au niveau graphisme, mais non, j'ai rêvé, et la nuit tombe, mais ce n'est pas fini. Ah, attendez, mais pourquoi je prends du blé, moi? Moi, je peux... Oh, putain, j'arrive même à balancer. Ah non, j'ai cru qu'il avait traversé la map, mais en fait, non. Voyez ce petit attroupement sympathique? Eh ben, il n'existe plus! Voilà, attendez, il en reste encore. Voilà. Maintenant, il en reste plus du tout. Ici, est-ce qu'il en reste? Mon camion. Putain, mais décidément, je... Je sais pas ce que je dis aujourd'hui, mais... Ah, voilà. Non, mon... Ah, mais qu'est-ce que j'ai avec mon camion, là? Mon caillou. Voilà, je vais y arriver. Mon caillou tombe au ralenti. Bon, plus maintenant, hein. Mais... Attendez, on va voir à combien de population on est tombé. 3700 toujours. Oh, c'est pas normal ça. Oh. Il a pas encore actualisé le bougre là. Attendez, on va réapprovisionner en homme, hein, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Un truc bien drôle. Alors je pensais à quoi? Ah, vous pouvez donner vos idées aussi, hein, dans les commentaires, hein, pour les prochaines festivités, on va dire, dans le prochain royaume. Hein. Je ferai la même chose à la fin du royaume. Mais que voit-on? Une fosse à torture, enfin une fosse de torture. Regardez. Ah, 1, 2. Pourquoi il veut pas me les... D'accord. Laissez tomber. Vous voyez, j'ai rajouté plein de petites torches aussi. Ça fait très lumineux. Et on voit qu'elles commencent à devenir rouges, les flammes. Et plus tard, ça sera juste magnifique. Juste magnifique. Mais pourquoi il... Ah, mais parce que c'est des... Alors, j'ai ripé, hein. Ma main a glissé. Je suis navré. Je ne voulais pas vous balancer. Mais au pire, c'est pas grave.
Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous barrer? Non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Attendez, on va prendre une trentaine de personnes. Voilà. Alors, c'est parti, sacrifice. Est-ce qu'on va voir ton nom, très chère madame? Non? Ok. Toi non plus. Voilà. Voilà. C'était terrible. Regardez, même le temple. Le temple. Il est devenu rouge. Ah, il y a des bébés qui pleurent. Oh, c'est bien fait, hein, le registre du terrible dans ce jeu. Et regardez la terre aussi. Regardez la terre, ça se craquelle et il y a de la lave dedans. Mes mains ont des ongles crochus. Je commence à avoir des traces de sang, enfin des mini traces de sang sur mes mains. Et les flammes commencent à devenir rouges. Et les nuages commencent à arriver au-dessus. Hein. Bon, la population a quand même rétréci. Hein. J'y suis pas allé de main morte, mais on n'a pas fini. Attendez, on n'a pas fini. Qu'est-ce que vous foutez, vous? Non. Vous, qu'est-ce que... Bon, déjà... Voilà. On récupère un peu de mana, hein, c'est normal. Un petit sacrifice. Alors, monsieur, toi, on va t'appeler Bernard. Je suis heureux de t'avoir connu. Ta barbe blanche me restera à jamais dans ma mémoire. Hein. Voilà. Toi aussi, Christophe. Albert aussi. Jean-Michel. Ah non, pardon, c'était Micheline, elle. André, Jean-Marie, Charles... Ah non, ça c'était un enfant, pardon. Ok. Bon. Mais... Oh, regardez, même sur les lanternes, il y a des pics qui apparaissent. Et le sol commence à devenir carrément volcanique. Hein. Le temple est devenu complètement rouge. C'est complètement épique, j'ai envie de dire. Hein. Autant les deux côtés du jeu, franchement, sont vraiment bien faits. Hein. Par exemple, quand on fait le bien, on a une super ville illuminée, avec des fontaines partout, du bleu partout. Alors que quand on fait le mal, là, c'est carrément le contraire. Hein, c'est tout est rouge, tout le monde marche comme ça, en mode j'ai mal. Et attendez, je viens de... Mais oui! Mais c'est la première fois que je m'en rends compte. C'est un truc de malade. Alors là, je dois l'avouer, c'est la première fois que je fais le mal. Hein. Je l'avais jamais fait avant parce que moi, je suis un gentil. Et ils ont changé les musiques pour le bien et pour le mal. Les musiques sont transformées. On n'a pas la même bande son quand on fait le mal. Mais écoutez ça, je savais pas, mais j'apprécie beaucoup, tiens, parce que ça me fait découvrir d'autres musiques qui sont franchement géniales, hein, dans ce jeu. Toi, je t'aime pas. Je sais pas ce que t'as fait. Oh, un rocher. Attendez, on va faire un truc marrant. Alors, je sais jamais comment le faire. On peut casser les rochers en autant de morceaux qu'on veut. Non, c'est pas ça. Voilà. En deux. Alors, il y en a un. On va le caser ici. Merde. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Non, reviens, Michel. Voilà. Ah, voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Alors, lui... ma souris, elle bug. Alors, lui, tu vas aller vivre ta vie. Ah, ma souris bug, décidément. Ah! Non! Ah, là, là! Souris de mort. Voilà, va vivre ta vie par là. Et toi aussi. Voilà, c'est bien. Et on est à combien, dites-moi? On est à 65 quasiment d'alignement méchant. Et vraiment, là, regardez, les flammes deviennent complètement rouges. Moi, je trouve que ça fait un aspect plutôt joli. Hein. Franchement. Allez, juste pour le... Ah, mais non, j'ai plus d'hôtel. Ah, non, alors ça va pas le faire, par contre. Je viens de me rendre compte. Il y a plus de bois ou quoi? Alors, ou alors c'est ma souris qui bug, parce que ma souris, je sais pas, elle a décidé de faire des siennes. Ouais, c'était ma souris qui buguait. Hein. Je sais pas ce qu'elle a, mais en tout cas, j'apprécie pas trop. Voilà. Ok, mon truc est réparé. Tout est bien qui finit bien. C'était juste pour vous dire un petit mot avant d'aller m'attaquer à l'autre ville, voyons. Hop là, voilà.
Voilà. Hop, voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, pas mal. Ah oui, ça rebondit. Oh, c'est génial, regardez. Mais c'est complètement épique. C'est complètement épique. Franchement, les pouvoirs, je suis pas déçu. Ils sont vraiment bien retranscrits. Ah, ils ont changé l'ordre des pouvoirs. Ah, combustion instantanée. Regardez, ils sont dans le feu. Ils s'éteignent, hein. Ils sont gentils, les petits villageois. Regardez mes ongles. C'est pas juste épique, mes ongles. Faut l'avouer, c'est épique, hein, quand même. Regardez-moi cet enclos de créatures absolument terrifiant. Ah, avec plein de gens à tuer. Je me rends compte quand même, j'ai bien agrandi la ville, hein. Parce que c'était pas du tout ça au départ, hein, mais vous verrez que là, pour l'instant, là, on n'avait pas beaucoup de variété de bâtiments, donc c'est toujours la même chose. Mais vous verrez que tout au long de l'aventure, eh bien, on aura une ville beaucoup plus diversifiée et même beaucoup plus grosse, hein, tout simplement. C'est qui eux? C'est qui eux? C'est qui eux? Ah. Maintenant, on n'entend même plus d'oiseaux, c'est des corbeaux un peu zarbes, enfin, qui font flipper. C'est bizarre. Alors, comment ça va, ma petite mémé? Ma mémé. Ah, bah, elle se porte très bien. Hein. Je distrairai nos villageois autant que je peux. Bon, écoute, hein, si ça te plaît, hein, moi, je vois pas d'inconvénient à ça. Là, le cadavre toujours du loup qui est étalé comme une merde par terre. Hein, bon, je peux pas le dégager. C'est quoi ce. C'est horrible. Vous avez vu, ils ont travaillé sur les bruitages. On entend des gens qui toussent, des bébés qui pleurent, et il y a un espèce de bruit de fond là. Des gens qui pleurent. Regardez ce bruit de fond. Ah, c'est glauque, hein! Ah, j'adore! Ah, j'adore, j'adore, j'adore. C'est quoi ce truc? Des vaches? Non! 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 Est-ce que vous voyez ce que je vois? Même les vaches sont maléfiques! Regardez, elles ont des traces, des rayons, elles ont des cornes! Non, non, mais est-ce que vous avez vu ça quand même? Non, mais ils sont même allés jusque-là pour vous dire. Non, mais pour vous dire. Pour vous dire que, hein, c'est pas des glandeurs, hein. Non, non, franchement, ils bossent bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je peux. Ah, c'est carrément à construire ça. Ah, bah tiens, c'est génial. C'est génial, un petit sanctuaire à la genre Stone Age. Moi, ça me plaît. Bon, ici, on n'a pas encore fait trop de dégâts. Hein. On va retourner dans notre petite ville charmante. Où la joie de vivre est tellement, tellement ressentie par tout le monde que, ben. Ah là là, ça se voit dans le sol, rien que dans le sol, regardez. C'est pas du tout volcanique, hein, c'est des. Ah, oh, regardez, regardez sur ma main. Oh. Regardez, sur ma main, je commence à avoir des traces bizarres. Oh, mais arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer, c'est bon. Quoi, c'est deux, trois morts. Enfin, deux, trois, voire 1000. Enfin, voilà, quoi. On s'est compris. Il y a juste 800, voire. Ouais, 8. Non, peut-être moins. Allez, j'exagère. Plus d'une. Ouais, vachement plus. Allez, on va dire 300 personnes qui nous ont laissés. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est complètement habituel. Et ils se reproduisent toujours. Non, mais ils sont complètement. Oula. Bon, on va s'éloigner parce que ça commence à devenir un petit peu louche par ici. Bon, là, je fais pas grand-chose depuis tout à l'heure, là. Il y a beaucoup de gens ici. Alors, vous. On va s'en prendre un petit paquet, quand même, non? Alors, sacrifice, aujourd'hui, c'est ça, toi, mon ami. Sébastien, voilà, je t'ai appelé Sébastien. Alors, elle, ce sera. Bernadette, voilà, Bernadette. Jacques, voilà. Ferdinand, voilà. Alphonse, voilà. Non, je déconne, c'est complètement horrible ce que je fais. Hein.
pioche complètement au hasard les prénoms. Hein. Ne le prenez surtout pas mal, hein, c'est... Je prends totalement au hasard, hein, c'est pas méchant du tout. Bien sûr. Hein. Ah pardon. Excusez-moi, petit élan criminel psychopathe qui m'a emporté là. C'est... Ah bah ici, tiens, il y en a aussi des... C'est tellement cruel ce jeu. Je sais pas comment ils ont fait pour... Enfin, quand ils ont créé le jeu, enfin, pour le mal, ils se sont dit quoi? Ouais, alors ici, on va mettre un bébé qui chiale avec... une mère qui chiale aussi, des mecs qui avancent en se tenant le bide, genre pour dire on a la gastro, genre on a rien à bouffer, c'est la mort et tout, tu vois, ils ont même fait des fosses de torture, non, mais vous imaginez si quelqu'un de qui est tout innocent, qui est un enfant, tu vois, un petit enfant, tu vois, tout tranquille, et qui joue à Black and White, et qui fait le mal, et c'est horrible, ça donne une image complètement horrible, oh là là là. Enfin bref, voilà, sinon, c'est que c'est fort quand ils crient, c'est pas possible, je sais pas ce qu'ils ont. C'est le lever du soleil là, si je ne m'abuse, ouais, bientôt, hein. Bientôt, mort, ils trouvent le moyen de mourir. C'est, franchement, je... Non, là, je ne comprends pas. Hein. Tenez, un petit cadeau. Je rajoute une couche. Ça les a fait vaciller là, non? Bah, ils sont normaux, ouais. Normaux. On a rien entendu, ils sont normaux, pardon, excusez-moi. Voilà! Ça vous apprendra! Ça vous apprendra, va. Oula, je m'écarte, ça lag un petit peu ici. Bam, voilà. Hop. On nettoie un petit peu. Hein, comme il se doit. Voilà, hein, c'est totalement gore. Enfin, non, c'est pas gore, mais c'est gentil, tu vois. C'est tout gentil et c'est complètement. Franchement, moi je ne vois même pas pourquoi il crie, hein. C'est. Franchement, y a pas de quoi. Hein. Y'a vraiment pas de quoi. Eux, ils continuent à vivre leur vie. Bon, c'est vrai que ça crie un petit peu fort. On va s'éloigner, hein. Je vous cache pas que là, il commence à me briser les. Enfin, voilà quoi. Et ma main commence à être complètement jolie, quoi. Vous allez voir que la main maléfique est tout simplement sublime. De même pour la vache. Pourquoi il y a... D'accord. Alors, je me demandais pourquoi il y avait un arbre qui volait. J'ai la réponse. Hein. J'ai la réponse. Non, mais regardez ça. Regardez ça, des vaches maléfiques. Si c'est pas magnifique. Oh là 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 là. Je trouve ça complètement épique, hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Et on a 28 minutes déjà. Oh, bah, j'ai pas vu le temps passer, hein. C'est fou ce qu'on s'amuse quand on... Non, c'est horrible, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu, ce mémoire s'efface de votre... ce mémoire. Oh là 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 là. Oh là là là. Ce souvenir s'efface de votre mémoire tout de suite. Hein? Voilà, vous avez oublié. Vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Vous avez tout oublié en un instant. Les oiseaux chantent, la vie est belle. Voilà quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de morts. Hein. Vous ne ferez pas de cauchemar cette nuit non plus, bien sûr. Ah ouais, quand même, c'est... Il y a des sauts en plus. Il y a des sauts partout. Il y a des sauts, je sais pas pourquoi. Ah oui, si, parce que... Avec ma tendance pyro-barbe... Pyro-psychopathe, ouais, on va dire ça comme ça. Je vais dire pyro-barbare. Petit clin d'œil à Bob Lennon. S'il nous écoute, hein, qui sait. Bon, enfin voilà quoi. On va terminer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte le refaire pour les prochains royaumes, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires, proposez des façons un petit peu sadiques, on va dire, de s'amuser comme ça, hein, si j'ose dire. Enfin, voilà, quoi. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Ah oui, alors oui. Concernant mon problème avec mon ordinateur, qui n'est toujours pas réglé, je m'en excuse. Par contre, normalement, il devrait être réglé cette semaine. Normalement, hein, si je dis pas de bêtises, s'il n'y a pas de problème, il devrait être réparé cette semaine. Je sais pas quand, mais normalement.
Ce qui fait que, donc comme il est pas réparé, j'ai pas pu avoir accès à Fraps. Résultat, ben, si y a des lags dans la vidéo, c'est normal. C'est parce que je n'ai toujours pas changé le logiciel de capture, puisque je ne peux pas m'en servir. Voilà. Voilà, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. On peut se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Black on White. Salut à tous, portez-vous bien.